Dispositif militaire, honneur officiel. C'est en grande pompe sur le tapis rouge que le président de la transition a reçu son note de marque au palais présidentiel. En séjour officiel au Gabon, Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, est venu apporter son soutien au processus de transition en cours pour le retour du Gabon dans la grande famille de l'institution panafricaine. Je suis venu aujourd'hui exprimer le soutien de l'Union africaine aux autorités de la transition, m'enquérir de développement. Je constate que la Constitution est déjà sur la table du Parlement et que dans les semaines à venir, un référendum sera organisé pour l'adoption de la Constitution. Ce sont des pas importants allant dans le sens du retour de l'ordre constitutionnel et à l'Union africaine, nous attendons avec impatience le retour du Gabon au sein de la famille africaine. Donc je suis venu exprimer et aux autorités et au peuple gabonais le soutien et la solidarité de l'Union africaine et voir qu'est-ce que la Commission de l'Union africaine peut apporter comme accompagnement pour que le Gabon organise ses élections et revienne dans sa famille. L'entretien au sommet entre les deux personnalités a permis de faire le point du programme de réforme entamé le 30 août 2023. Des avancées significatives saluées par le président de la Commission de l'Union africaine. Vous savez, le Gabon a connu un changement il y a un peu plus d'un an et il a été suspendu de l'Union africaine. Mais la suspension ne veut pas dire manque de coopération avec l'Union africaine. D'ailleurs, dans la décision, il a été demandé expressément à la Commission d'accompagner ce pays au retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui caractérise la transition au Gabon, c'est son caractère inclusif et participatif. Nous l'avons constaté dans la composition des organes de la transition et ce climat a été apprécié et le Conseil paix et sécurité vient de séjourner ici. Il en garde vraiment des souvenirs très favorables. Ici à Libreville, Moussa Faki Mahamat est donc venu rassurer le CTRI et le peuple gabonais engagé dans un processus de transition et de transformation conforme aux normes et exigences de l'institution panafricaine et de l'ensemble des organisations internationales.